Hey, salut à tous les gars, c'est Ressource, vous allez bien, ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hotline Miami 2. Voilà, j'avais fait une première vidéo, j'ai vu qu'il y en a certains qui avaient plutôt kiffé. Elle n'a pas fait une explosion d'audience, mais certains ont bien apprécié le jeu, et notamment sur mes lives que j'ai fait. Donc là, cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu plus longue où je vais vous présenter l'acte 1 avec l'ensemble des missions, en espérant que j'arrive à m'en sortir et que ça ne me fasse pas une vidéo ultra longue à regarder et désagréable. Mais en tout cas, je vais faire ça en. Tout de suite, là, on va tout de suite lancer donc exposition acte 1. Donc voilà, je t'avais déjà fini le jeu une première fois. Maintenant, je vais vous refaire ça en essayant à chaque fois d'améliorer mes scores hein, en espérant. Et puis voilà, donc je vais vous montrer l'acte 1 et ses différents chapitres. Donc on commence avec directement le niveau 1. Ce que je vais juste faire, c'est que je vais vous passer les intros pour rentrer directement dans le vif du sujet avec les missions et les différents massacres. Voilà, comme ça, on évite de voir toutes les cinématiques. Je vous laisserai du coup découvrir tout ça, l'ensemble du jeu, sur mes lives si vous y repassez, ou alors directement en jouant, en testant le jeu par vous-même, ou en regardant la chaîne des fiches 4K, comme je vous le répète plusieurs fois. Donc, comme dans la dernière vidéo, on a plusieurs possibilités de jeu, et je dois admettre que j'aimerais quand même continuer en attendant avec le Chainsaw and Gun, donc la tronçonneuse et le fusil et le pistolet pour faire cette émission, parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus pour le moment dans le jeu en termes de gameplay. Ok, ça commence nickel. Oh putain, merde. Hop là, ok. Bon. Alors c'est comédie, moi ça fait longtemps que je ne les ai pas fait. Okay, après c'était forcément des niveaux qu'on ne pouvait pas faire initialement à la tronçonneuse, hein, vous vous en doutez. Parce que là du coup ça rend du moins tout un petit peu plus simple. Mais c'est pas grave. Oh bah je dis ça, je me suis pris une cartouche là. Je suis en train de réfléchir. Il n'y a plus personne. Oh, oh j'ai échoué. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Mais écoutez, premier niveau fait. Désolé, j'étais concentré à mort. Je voulais pas commencer la vidéo en me chiant dans le proc dès le début. Donc voilà, première mission, c'est fait. Grand A. Bon bah nickel. Voilà. Donc, voilà, vous voyez des gangsters à table et tout. Voilà, je vous laisse les petits trucs là, hein. Il est ignoble lui. Hein. Joyeux Halloween monsieur, y'a pas de soucis, tu fais peur, rien qu'à ta gueule, on se rend compte que c'est Halloween. Y'a pas de soucis, t'as pas besoin de te déguiser. Donc voilà, ça c'est une petite transition de mission, entre 2-3 missions, tu récupères tes pizzas, tu vas chez toi, tu vas dormir, tu réponds au téléphone. Et après, bah, entre chez ces petites intermissions, bah, c'est parti pour 2-3 petits massacres. Ouais, c'est ça qu'on aime dans le jeu. Donc là, je change de personnage. Là, je suis avec le policier de l'histoire. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails. Hein, comme ça, vous pouvez découvrir vraiment la totalité en testant ou alors en venant sur les lives. Ouais, y a pas de souci. Donc en fait, c'est la petite particularité qu'il y a dans ce jeu, c'est qu'on joue avec différents personnages et qui ont chacun différentes capacités, différentes histoires. Donc c'est assez, assez intéressant. Toutes les histoires s'entremêlent. Bien que ce soit super compliqué à comprendre, il y a plein de mystères, c'est ça qui fait que le jeu est vraiment génialissime hein, en termes de gameplay et d'histoire, de fond d'histoire, c'est vraiment génial. Donc là, on explique. Hop là, rien à foutre, on zigoule tout le monde. Alors là, c'est le flic, le plus immoral. Il s'en fout lui. Ok, il s'en fout, nickel. Est-ce que j'essaie de le faire à la batte ce niveau? Ok, peut-être j'ai eu le personnage qui est retourné là. C'est quoi, rien à foutre. Tac. Hop là, ok, bon ça c'est bon. Hop, on continue. Donc là on est dans un supermarché. Hein. Quelque chose dans le genre. Contrôlé du coup par les mafieux là. Par les méchants gaillards. Ok. Non! Merde, je me suis chié. Hop là. Ok, donc là c'est bon. On récupère le fusil à pompe.
Il est super sanglant ce jeu, c'est génial. C'est fou de dire ça, mais putain, qu'est-ce que c'est beau. C'est un peu pour ça qu'on aime ce genre de jeu aussi. Hein. Donc, il y a un mec là-bas, il y a deux mecs ici. Je me souviens plus du tout des premiers niveaux. Pourtant, j'ai fini le jeu là, cette semaine. Hein. Je me souviens plus du tout des premiers niveaux. C'est vrai que j'ai passé tellement de temps à essayer de finir les. Ok, donc ça c'est bon, ça nickel. J'ai passé tellement de temps à essayer de finir les derniers niveaux qui sont franchement compliqués. Ils sont durs, hein. Ils sont durs les derniers niveaux. Que c'est vrai que les premiers que j'avais réussi assez facilement, j'ai du mal à m'en souvenir. Mais c'est vrai que là c'est génial. On fait toute la mission, on vient, on rentre dans le magasin, on est flic. En fait, on apprend là, hein, à ce moment-là, que t'es flic. Avant, dans le jeu, tu le sais pas. Tu viens, tu zigoues tout le monde. Tu ressors de là, tranquille, peinard. Et voilà, tout le monde te laisse passer. Et t'as quand même fait. Mais attendez. Oui, c'est peut-être ça. Ouais. Mais et on a quand même zigoué tout le monde à l'intérieur. Hein. Alors, flic ou pas, c'est quand même ultra violent, quoi. Et pourtant, j'ai fait que rang B-, donc voilà, j'ai même pas été très bon. Après, c'est parce que j'ai fait vraiment la mission au fusil, au mini-usi, je l'ai pas fait au. J'ai pas fait à l'arme blanche, donc forcément, ça baisse la note aussi. J'ai moins pris de risques. On dirait qu'on a un tueur en série sur les bras. Ah, tiens, donc. Ah oui, c'est les personnages qu'on incarne, hein, entre autres. Hein. Voilà, nous, c'est là qu'on apprend qu'on est flic, qu'on met les enquêtes un petit peu en parallèle sur ce qui se passe, hein, avec ces tueurs-là. Bizarre. Et on apprend, donc je vous passe un petit peu les détails ici, hein, du dialogue. Moi je vous laisse ça découvrir par vous-même si ça vous dérange pas. Sinon, bah, vous, comme vous dites, vous venez sur le live, vous faites la demande, moi je vous referai la vidéo bien complète avec les cinématiques, les intros, tout ce qu'il faut et on pourra en reparler avec grand plaisir parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup. Mais donc voilà pour la petite histoire, ce qui est assez étrange, c'est que quand voilà, t'as ce tueur en série qui laisse des cadavres, hein, derrière lui, à chaque fois il y a une petite lettre, une petite indication sur le corps ou sur la scène du crime qui laisse prétendre qu'en fait le mec qui fait ça. Il n'a peut-être pas super envie de le faire, t'as l'impression qu'il est un peu contraint, alors je sais pas si c'est psychologique ou c'est assez étrange. Mais ça mène un petit peu cette poésie qu'il y a dans le jeu de te poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe quoi. Bon là on est encore chez un fou, voilà, coup de téléphone, ici Eric, ouais il y a Eric, du garage lui ami, ouais Eric ils aiment bien être au téléphone. Je vous appelle pour vous prévenir que nous avons fini le travail, c'est nickel. Quel appareil, passez-moi le patron, on sait pas, on comprend pas, mais il va falloir qu'on aille là-bas. Avec ce chauve là, ce costaud, qui a l'air bien vénère. Ouais, ils vont nous faire chier, ils veulent aller commander au garage, ben on va aller au garage. Attends, on va voir. Je prends ma bagnole, on va voir ce qui se passe. Ah, news. Mauvaise nouvelle. Nouvelle difficilement encaissable, voilà. Là, c'est... Alors, à quoi je joue Nail gun, j'aime bien le pistolet à coup. Ok, alors en attendant... Personne, je me souviens plus du tout des premiers niveaux, hein. Je suis vraiment à l'ouest. Passer par là, la pistolet à clou pour que j'ai pris. Alors, de une, c'est agréable à jouer, et de deux, il fait un son que j'aime bien. Tout simplement. Alors, lui, non, c'est vrai que je suis assez loin avec ce gros sac là. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'encaisse une balle. J'ai touché un mec, j'ai touché un mec, c'est écrit, excellent. Putain, il est venu d'où lui, j'ai pas vu. Ok. Eh, ça, on passe où mes clous là. Ok. Ok. Il est où mon pistolet? Ah, c'est plus mon pistolet à clous. Faut que je fasse gaffe, hein, parce que lui peut me voir à tout moment. Ok, on va peut-être passer par là-bas pour le moment. Au salut, on zigoule tout de suite. Ça, ce sera fait. C'est un mec derrière une vitre en moins, c'est déjà pas mal. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Et y a un mec avec les vitres. Oh putain, j'ai eu chaud. Ok. Mec armé ici. Merde, la porte est fermée dans mes yeux. Oh là là. Oh, l'enfer, mais quel con. Mec. What the fuck. Ouais. C'est quoi hein.
Merci la porte. J'ai trop mal joué. J'ai de la chance. J'ai eu de la chance. Encore. Oh là là. Ah oh, c'est vite. Les vides de l'enfer. Je peux tirer. Ok. 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 On va se faire lui. Ah. Ok. Lui aussi. Ok. Là, je sais plus trop. Ouais. Ok, alors là, j'ai plus de balles. Donc on va le finir. Oh, pied de biche, voilà, bien violent là. Lui, on arrive, on va y coller une bastos. Voilà, le niveau est fait. On va passer sur la K47. Il faut qu'on passe par derrière. Ah, je suis désolé, je suis concentré à fond là. Pourtant, pourtant c'est un niveau du début, hein, c'est pas compliqué. Après, je vois un petit peu mal aussi, je suis pas un spécialiste encore. Je suis encore dans la phase où j'essaie de me souvenir de comment ils jouaient les niveaux. Alors là. Là. Ok. Bizarre que personne m'ait couru dessus avec le fusil d'assaut là. Ah bah. Ok. On va faire comme dans les films. On tire à travers les vies. Voilà, j'adore faire ça un peu. C'est vrai comme dans les films, hein. Tu tires à travers les vies et tout, tu dégoûtes tout ce qui passe. Hop, tu changes d'arme. Tu mets plein de mules. Lui t'arrive. Est-ce que je peux le ping? Ouais. je dois admettre, j'ai paniqué. J'ai paniqué. Ouais. Ces trois gaillards pied en blanc foncés dessus, c'est pas commun. Ok. Alors là, je sais pas d'où viennent les autres, s'ils m'ont entendu. Apparemment non. Poser le crâne. Hop là, on zigoue tout ce qui bouge, rien à foutre. On retourne à la voiture. Mais on avance plutôt pas mal. Là, je vois sur le retour, on est à peu près à 12 minutes de vidéo. Je m'en sors. Bon, je fais pas des games de folie. J'admets que. Voilà, hein, je suis pas super doué non plus. Mais. What the fuck? Ah, mais j'étais déjà arrivé tout en bas, mais quel gros con. Voilà! J'ai pas un haut niveau là, je pense. C'est plus, oh yeah. Mais c'est vrai. Ouais, mais j'ai pas pris énormément de risques. J'ai pris mon gros fusil d'assaut, je tire sur tout ce qui bouge. Niveau discrétion et niveau prise de risque, y a pas des masses. Je vais me faire tatouer, putain, merde, j'adorais cette cinématique. D'accord, tu as déjà une idée de ce que tu veux. Un old Dixie, juste là, sur l'épaule. Ok, on va faire ça. Ça tirait vendredi, 14h. Bon, normalement, voilà, tu prends rendez-vous, tu viens pas ici, tu te dis, je vais me faire tatouer, mec, il te prend l'aiguille, il te tatoue. Vendredi, comment ça vendredi? C'est quoi ces conneries? Tu veux pas me faire un tatouage tout de suite? Oh mec! Hey, il me le faut aujourd'hui, c'est un jour spécial. Pourquoi? Parce qu'on a zigouillé tout le monde. C'est pour ça que c'est un jour spécial. C'est pour ça que c'est un jour spécial. J'ai un truc à fêter. Eh oui, il veut fêter quoi? Les centaines de cadavres qu'il a laissé derrière lui. Désolé mec, je peux rien faire. On est complet jusqu'à vendredi. Un petit peu de patience. Ça se trouve, on est jeudi, tu vois. Ah ouais, c'est comme ça que tu traites tes clients? Allez, espèce d'enfoiré, bah t'es pas prêt de me revoir. Bon, bah voilà, le mec très calme hein, au tatouage, moi je lui aurais mis un coup d'aiguille au mec là. De fermer ta gueule. Bon voilà. Fin de cette mission, on continue. Alors, est-ce que tu préfères la série américaine de Ellen DeGeneres sur les chaînes People, comme on dit, voilà, qui est une présentatrice américaine très connue, hein, qui interviewe toujours les grands acteurs, les célébrités du moment, que ce soit les youtubeurs, les tiktokers, les chanteuses, les chanteurs, les acteurs, les actrices. Et voilà, c'est une émission très populaire où ils font à chaque fois venir un invité. Et ici, c'est un peu ce qui est représenté. C'est qu'ici, on est à cette émission-là, et nous, on est le réalisateur qui est là, un réalisateur de films d'horreur, bien, bien violent, bien gore. Et en fait, le but de cette petite interview, j'ai envie de dire, c'est de témoigner sur le fait que bah, les films ne sont pas très réglo, ils sont plutôt même très glauques, et que ça ne devrait pas se passer comme ça. Est-ce que, malgré le succès, on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui cloche? Lui, rien à foutre, moi, ne me regardez pas comme ça, c'est normal, je fais mes films comme je veux, c'est violent, on s'en fout.
Et voilà, donc en fait, on se rend compte bah, clairement à la cinématique que ça part en vrille. Qu'est-ce qui se passe? On sait pas. Et là, ce masque. Ce masque, alors ce masque-là, pour avoir un petit peu l'histoire et comprendre un peu d'où il vient, je vous invite, je vous le redis, hein, à regarder la vidéo de Puig 4K. On le voit beaucoup et il est déjà là dans le 1. Et c'est un masque d'un personnage assez étrange qui, on sait pas s'il nous mène à la folie, à la tuerie, mais on se rend compte que là, quand le masque est apparu, que la présentatrice est morte avec la tête coupée sur la table. Voilà, on dirait que c'est nous qui avons fait le meurtre avec une tête de cochon, un truc totalement ignoble. Et en fait, ce masque-là de poulet, de coq, là, en fait, il est là pour un peu qu'on se pose des questions sur ce qui se passe sur l'histoire. Est-ce qu'on est en train de faire, c'est réellement en train de se passer, ou est-ce que c'est vraiment psychologique, c'est dans la tête, on part en vrille, ou alors vraiment, enfin voilà, il est un peu là pour ça, lui, il est assez bizarre, mais à chaque fois qu'il est là, c'est glauque, c'est tuerie, c'est cadavre, c'est sang, c'est tout ce que vous voulez, quoi, rien de bien, rien de bon, en tout cas. Donc voilà. Alors, prendre du plaisir à tourmenter les gens, c'est juste du cinéma. C'est ce que le... En fait, c'est peut-être ce que le réalisateur se dit, mais peut-être qu'il fait vraiment du mal avec... à travers ses films. Enfin, bref, un truc pas très net. Je pense que voilà, c'est très clair jusqu'à présent. Là, pareil, apparemment, il avait une nana qui décide de se barrer. Elle se casse. Ok. Nous, en train de dormir sur le sol, hein, même pas de lit. Hein. T'es un réalisateur, tu dis c'est quand même bizarre. Tu es réalisateur de films qui apparemment marchent. Mais tu dors à même le sol, pas de lit, rien. Et là, voilà, on a pris le masque de cochon, on a les flics. Pas un geste, monsieur. Et là, nous devons procéder à votre arrestation. Et apparemment, le flic, il a peur, bah forcément, tu l'ouvres avec un masque de cochon. C'est un peu moyen. Et là, petite transition, je prends mon coca. Final cut. Final cut. On arrive, c'est les flics. Nous savons ce que vous avez fait. Vous finirez sur la chaîne électrique, monsieur! Ça va chier! La fille est en haut en ce moment même et nous la recueillons, nous recueillons sa déposition. Alors, c'est la fille qui s'est barrée. Voilà, donc elle est allée vraiment. Elle est allée chez les flics, porter plainte. Et donc on se fait arrêter, c'est pour ça. Et là, vous entendez dans ce bruit de fond le téléphone qui sonne. On ne sait pas ce que c'est. Au départ, on pense que c'est un téléphone qui est dans la salle ou quelque chose. Mais voilà, le mec nous dit on est dingue. C'est dans la tête, qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous, voilà, c'est exactement ce qu'il dit là. Et donc voilà, faut être dingue pour buter des gosses, et pour emporter un masque de porc, on est d'accord, s'il faut être complètement taré. Et lui, complètement fou, c'est le téléphone, on comprend rien, vous devrez répondre, enfin, truc de fou, et lui, clairement, le flic, il nous dit qu'il n'y a pas de téléphone, donc là, t'as vraiment l'impression que ce qui se passe, c'est un truc psychologique, c'est dans la tête, ça part en vrille, clairement, c'est... Faut interner, ça, faut interner, c'est... Voilà, ça sert à rien de discuter avec vous, pas vrai, voilà, le téléphone il sonne pas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et là, pétage de câble, musique qui commence, tu réponds au téléphone, qui apparemment n'est pas là, hein, parce que lui, le flic, il dit qu'il n'y en a pas. Vous savez ce que vous devez faire, il ne regarde pas dans votre direction, c'est comme s'il demandait à être tué. Et là, tu pètes un câble, tu raccroches, et le mec, tu viens, tu lui tords la nuque, et lui, tu l'exploses. Voilà, et là, tu commences. Donc, t'es chez les flics, dans le commissariat, tu t'évades. Avec ton masque, une matraque. Et de la flicaille à zigouiller. Donc, bon, c'est pas un niveau très simple. Hein. Je dois admettre que ça m'avait un petit peu chié, moi. Oh, parce qu'ils sont pas mal armés. Merde. Ok. Ok, et il y a pas mal de vitres. Alors. Youhou. Oh merde, il y en a un autre. Oh. Oh merde. Hop là, ça s'est fait. Hop là, oh yeah. Autour de l'action, la tire. Il m'a mis à 3-6 nos scopes. T'as retourné, elle m'a fumé. Allez, tu dégages. Un cassage de crâne. Toi avec. Ah merde, j'avais oublié que tu avais un fusil. Oula, je commence à faire navac. Ça va pas se passer comme ça, je vous le dis. You. Oh là là. Mais hé, en plus, je vais le chercher quoi. Je cherche la merde. Je fracasse. C'est gore, mais c'est gore. Ah bon, après, bon, c'est ce qu'on aime, hein, clairement. Y'en a pas un qui m'a vu là, qui a décidé de venir. Non, je suis là. Voilà. Alors, parce qu'il y a une ronde en fait de 3 trois... oh, chevaliers, j'allais dire, mais n'importe quoi. De 3 militaires à chaque fois de chaque côté. En fait, il faut les jouer ultra rapide. Vous pouvez peut-être vous prendre à chaque fois le deuxième qui est armé. Jusqu'au dedans. Voilà. Hop là.
Hop, et il reste du coup cela là. Et qui c'est qui reste? Il reste cela là-bas. Putain, j'ai pas vu. Ah le bâtard. Fumier. Il m'a mis une balle quand même. Ah on y va, on est plus pour jouer là. Pas pour ces conneries là. Allez viens, tu vas me voir. Allez viens, viens, viens. Voilà. Du coup. Toi aussi tu veux me faire un petit coucou? Hop là, prends-toi un coup de matraque dans les dents. Tu m'as pas vu toi? Non, il m'a pas vu. Il va passer, on va essayer de la tirer par là. Et faut juste que tu fasses gaffe parce qu'il est armé. Il m'a pas vu. Putain mais il est con quoi. Il m'a pas vu. Alors là, je t'ai fait une masterclass. Non, je vais récupérer le pistolet, merci. Alors, où est-ce qu'il est? L'autre, il est déjà en train de faire sa ronde. Il est où? Putain, il est déjà là. Ok. Bastos. Et là, du coup, il reste lui là-bas en haut. Et lui là-bas en bas. Ok. Ok. Ok, donc ce niveau est fait. On continue tout dans le commissariat. Vous restez ici, vous risquez rien. Et là, c'est un SWAT. Donc en fait, c'est un peu le boss du niveau. Il va falloir le tuer d'une façon un petit peu différente. Ok. Merde, alors là, j'ai fait venir tout à ce moment-là. J'aime bien faire un peu comme dans chez les flics. Comme dans les films, tu sais, tu rentres, tu tires à travers les vies, tu dis tout ce qui bouge, mais apparemment, ça foire. Ok. Ouais. Ok, parce que lui. Ok. En fait, je peux pas le viser lui. C'est un peu compliqué. Parce que lui, il faut faire. En fait, faut lui tirer dessus pour qu'il tombe. Et après, faut aller lui. Faut lui fracasser le crâne au sol. Ouais, c'est peut-être un peu violent dit comme ça, mais ouais, faut faire comme ça, pas autrement. Ok. Sur carnage. Oh, putain. Une balle, oh non. Gentil, gentil. Massacre. Il m'a vu, oh là là, mais ouais, du coup je me suis précipité vers l'autre. Merde, à la mitraillette là. Oui, quand même. Hop. Faut tout de suite d'armes. Si lui je pouvais le niquer tout de suite là. Oh merde, dommage que l'interro. Hein ? Fumier. Ah j'aime bien quand ça bourrine dans tous les sens, mais par contre je suis très mauvais en termes de shoot. Je perds très mal. Ok. Hop là, lui, pré-shoot. Et pourquoi il a pas pris sa deuxième balle? Ah, déjà la première fois que j'ai joué, ce mec il me faisait chier, mais comme il faut. Merde, c'est pas le plein. Non, 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 dépêche-toi. Merde. Je tire sur tout ce qui bouge, moi. Voilà, comme ça tu me laisses tranquille un peu. Je récupère quand même quelque chose pour frapper. Hop là. Hop. Non, mais je suis une brêle énorme. Ah, ok. Mais.
Allez. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il est long, plus vite bleu. Mais il est con. Ok. Lui, on fume maintenant, hein. C'est bon, hein. Mais on pouvait récupérer ses Akimbo, là, ses Magnum Akimbo, là, ça aurait été ouf. Alors, qui c'est qui reste là? Il reste lui. Cartouche. Oh là 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 là. En plus, je me suis retourné pour le niquer. Oh. Ah, je suis pas bon. Ah, d'accord. En plus, il a pas pris sa balle. Des munitions pour le gros qui est à côté. Ok. Lui là. Ok. Ok. Attends qu'il se pointe lui. Voilà. On va récupérer les clés sur le SWAT, le membre du SWAT. Hop. Et on va récupérer la nana. Qui nous a en fait dénoncé clairement. Et là, je rentre. J'ai pas ta putain copine. Elle a un pétage de câble. Donc en fait, t'as l'impression que t'étais retenue chez elle. Enfin, elle était retenue chez toi, pardon. Parce que tu te servais d'elle comme ta meuf alors que c'était pas ta meuf, quoi. Coupé. Pas la peine de faire une autre prise, c'était parfait. Voilà, donc en fait, et là, c'est là que ça mindfuck un petit peu le cerveau, c'est que tu te dis, mais c'était un film ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? T'étais en train de jouer des acteurs? Et c'est là que c'est bon, parce que vous n'avez qu'à aller manger un morceau pendant qu'on prépare le décor, on viendrait plus tard, voilà, dans une trentaine de minutes. Et puis là, tu entends Martin, allez, relève-toi! Et là, ça foire, Martin, eh oui! Et là, ça coupe, on s'arrête là, on pense qu'effectivement, dans la scène, elle l'a vraiment zigouillé avec un vrai flingue, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Elle l'a fumé directement. Avec un gros flingue, là, la fumée. Voilà. Mon dot C, j'ai été très mauvais. Mais j'ai fini le chapitre. On passe au second acte. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous ai fait ce petit chapitre, je vous avais dit que je faisais le premier chapitre. Si ça vous plaît, je vous fais le deuxième, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Mais pour le moment, moi, je vous laisse là. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Ce petit gameplay, petite vidéo d'une demi-heure sur Hotline Miami 2. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir, bien évidemment. Je lis tous vos commentaires pour prendre en compte les améliorations que je passe ou ce qu'il faudrait que je vous présente si vous avez envie. Là, c'est vrai que j'ai passé les cinématiques, vous avez passé un petit peu l'histoire. Si vous voulez que je rentre plus en détail dessus, je peux le faire en live ou en vidéo, comme ça vous arrange. Vous pouvez me le dire, comme je vous disais la dernière fois, soit dans les commentaires, soit sur Twitter. Vous avez beaucoup mon Twitter. Et puis voilà, en attendant, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était une bonne petite chose. Bien sympatoche, on a pu se mettre dedans, on a un petit peu rigolé, j'en ai chié, mais après je suis mauvais, je ne propose pas un gameplay de qualité parce que je suis pas bon. Voilà, c'est tout simplement pour ça, il y a des gens qui sont très très forts, qui font des speedruns apparemment. Moi voilà, je vous présente ça plus sous l'aspect un petit peu du délire, de vous présenter un truc, de passer du bon temps, même si c'est pas un gameplay de fou de qualité, mais en tout cas voilà, c'est pour ça que je vous fais ce genre de petite vidéo. Moi ça me fait plaisir d'en faire, si ça vous plaît c'est l'essentiel, et puis s'il y a des petites choses à corriger n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais en attendant, je vais vous laisser là, c'était Ren, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, ciao ciao.